Dis avec moi, Seigneur. Je saisis la parole, tu viens devant. Dis avec moi, Seigneur. En ce jour, moi, Wilfried Zahui, je réclame la grâce. La grâce qui permet de marcher dans tes voies. Je veux être un disciple discipliné. Je veux être un disciple discipliné. Je veux marcher avec toi dans les résolutions. Ton serviteur m'a appris les résolutions. Donne-moi la capacité de prendre des résolutions pour vaincre dans chaque journée. Donne-moi la capacité de marcher au-dessus de mes vices. Donne-moi la capacité de marcher au-dessus de mes convoitises, de mes envies négatives. Dieu de l'Alliance, Dieu du miracle et de la révélation, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons la force qui vient de toi. Élève, voyez, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Sans rien retenir, sans rien retenir, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de donner la force des résolutions. Tout le monde n'a pas la force des résolutions. Et qui donne la capacité de prendre des résolutions chaque matin. Je parle à quelqu'un. Tu peux prendre des mêmes résolutions encore et encore. Tant que tu n'es pas à l'abri, continue à décider. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas dire non, il a décidé ça la semaine passée. Non, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour son combat. Il n'a pas dit à chaque semaine. Parce que le plus dur, ce que les hommes méprisent, c'est le jour. On dit non, on combat pour la semaine. Non, le diable ne t'attend pas sur la semaine. C'est un seul jour qu'il attend. Je parle à quelqu'un. C'est un jour où il va programmer un accident. Toute ta semaine sera détruite et le reste de ta vie. Parce qu'à partir de ce jour, tu vas perdre ton pied. Il y a un jour qu'il a prévu pour mettre l'incendie. Donc, il ne faut pas dire non, j'ai déjà prévu pour la semaine. Non, on prévoit pour chaque jour. Et chaque jour, il faut faire une révision ou bien une mise à jour. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Sinon, tu auras décidé le mois passé de ne pas frapper, de ne plus frapper ta femme. Et tu seras étonné de voir que il y a tellement longtemps que tu as décidé que dans un brin de colère, ton bras est parti. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? J'avais pourtant dit que je n'allais plus faire ça. Oui, tu as dit, mais il y a longtemps que tu as dit. Et Satan sait que la résolution, plus elle est lointaine, plus elle s'affaiblit. Je parle à quelqu'un. Donc tu dois renouveler ta résolution chaque jour et demander à Dieu de mettre sa grâce sur ta résolution, de mettre sa force sur ta résolution. Et c'est là que le succès répondra. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et prends le temps, remarque. Tes résolutions sont très fermes quand on en nouvelle en début d'année. Janvier. Je déclare que l'année, je possède l'année. Et quand tu rentres en janvier, tu rentres avec un courage. Qui se rappelle, Isa? Comment tu es rentré en janvier? Tu rentres avec le courage. C'est-à-dire que cette année-là, c'est fini. J'ai tué. Mais j'ai décidé, ma copine. On a trop perdu le temps. Ça, c'est en janvier.
Et tu prends des résolutions de le 31, le 1er, jusqu'au 7, le 8. Quand tu arrives en février, remarque, tu oublies les résolutions, ça commence à diminuer. En mars, ça diminue. En avril, ça diminue. Jusqu'à arriver en mai, résolution même là, tu as oublié, tu es noyé dans l'année. Et tu te bats maintenant. Tu ne sais même plus quelle orientation tu voulais donner à ta vie. Tout ce que tu as dit en janvier, tu as tout oublié. Pourquoi? Parce que les résolutions n'ont pas été gravées comme un sceau sur ton cœur. Parce que chaque matin, tu ne t'es pas rappelé tes résolutions. Tu aurais dû les écrire et puis prier chaque matin pour que Dieu te donne la force de réaliser ses résolutions. Alors qu'est-ce que Satan fait? Il t'envoie les distractions pour que tu oublies tes résolutions. Et tu commences à improviser dans ta vie. Remarque, ce que tu as dit que tu allais faire en janvier, ce n'est pas ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as commencé à improviser. Et quand on va dire décembre, tu vas redevenir intelligent. Tu vas redevenir sage. Vraiment, j'ai perdu l'année. Hein? Dieu, tu es le Dieu de la dernière minute. Mais il est aussi le Dieu de la même année là. Je parle à quelqu'un, il n'est pas le Dieu de la dernière minute, il est le Dieu de l'année. Tu t'es amusé durant ton année, tu as oublié tes résolutions. Maintenant, si vous venez prier en décembre, Seigneur, même à la dernière minute, tu peux faire quelque chose. Tu vas faire quoi? Je parle à quelqu'un. Et pour le temps, remarque, quand tu te concentres en janvier, dans l'année, Satan te distrait. En fin d'année, il te laisse. Quand tu te rappelles, l'année est finie. Et il te fait la même chose chaque année. Qui remarque? C'est le même planning. C'est le même plan. Parce qu'il sait qu'elle est en train de décider, non? On dit, oui, non, attends, laisse. J'arrive en février. Et puis, tu es concentré. Mais la force de résolution que tu as en janvier, regarde l'énergie que tu avais. Regarde le zèle que tu avais. Regarde comment tu te levais le matin. Je prie parce que cette année doit pas être comme les autres années. Mais après, quand tu as perdu ta résolution, tu as perdu ta force de prière. Tu as perdu ton engagement dans le jeûne. Tu as tout lâché. Et tu t'es abandonné à 2024. Résultat, c'est devenu une année comme 2023, comme 2022, catastrophique. Et on est en train de terminer. Regarde, on est bientôt en octobre. Hein? Mais tu peux encore sauver quelque chose. Ah oui, tu peux. Tu peux. Donne-moi une amène bien. Prends de bonnes décisions. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Dis à Dieu, Seigneur. Inspire-moi des résolutions. Inspire-moi les résolutions qui doivent me faire réussir. Inspire-moi les résolutions qui doivent me faire réussir dans ma vie sentimentale. Inspire-moi les résolutions qui doivent me faire réussir dans mes projets. Inspire-moi les résolutions qui doivent me faire réussir dans mes activités. Seigneur, inspire-moi les résolutions qui doivent me faire grandir spirituellement. Seigneur, inspire-moi des résolutions qui vont me faire prospérer financièrement. Seigneur, inspire-moi des résolutions qui vont m'envoyer à plus te connaître. Seigneur, inspire-moi des résolutions qui vont m'envoyer à marcher avec toi. Au nom suprême de Jésus. Acclame le Seigneur.